Bonjour, petite vidéo pour vous expliquer comment calculer une variance et un écart-type dans le cadre d'une loi uniforme. Propriété, soit grand X une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle fermé AB. Pour calculer la variance, je te propose d'utiliser la formule suivante. Variance de grand X est égale à B-A au carré sur 12. Et pour calculer l'écart-type, tu as deux possibilités, soit tu sais que l'écart-type c'est la racine carrée de la variance, soit tu utilises le fait que l'écart-type c'est b-a sur 2 racine de 3. Personnellement, je préfère calculer la variance à l'aide de la formule v de grand x égale b-a au carré sur 12, et ensuite calculer l'écart-type en faisant la racine carrée de la variance, puisque c'est une formule qu'on a déjà manipulée maintes et maintes fois, notamment dans le chapitre statistique. Exemple, grand X est une variable aléatoire qui suit une loi uniforme sur l'intervalle fermé moins 10, 40. Calculez la variance de grand X, notez V de grand X, puis son écart type, sigma de grand X. La variance de grand X se calcule à l'aide de la formule rouge V de grand X égale B-A au carré sur 12, où A et B sont les bornes de l'intervalle sur lequel est définie la loi uniforme. Ici, la loi uniforme est définie sur l'intervalle moins 10, 40. A joue le rôle de moins 10 et B joue le rôle de 40. V de grand X est donc égal à 40 moins moins 10 au carré, le tout sur 12. Ce qui donne 50 au carré sur 12 et donc 625 sur 3. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. C'est donc la racine carrée de 625 sur 3. À la calculatrice, tu obtiens 25 racines de 3 sur 3. Et si tu veux donner une valeur arrondie pour donner du sens, eh bien tu proposerais 14,4 par exemple si tu arrondis au dixième près. À bientôt pour une nouvelle vidéo.